Alors nous l'invitons. C'est l'enfant de la maison. Et ce qui est arrivé vendredi ont vécu de bonnes choses. Nous pensons que l'onction doit être sur lui. Pour que nous puissions encore recevoir la nourriture. Nous l'encourageons par des acclamations lorsqu'il fera son entrée. Parce que le mercredi, il va rentrer chez lui. C'était merveilleux le vendredi. Venez changer. Amen. Amen. Nous vous saluons tous dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que le grand Dieu vous bénisse richement. Encore une fois, je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a rendu cette journée possible pour moi. Je voulais aussi remercier mon père spirituel, qui est mon révérend André, pour la confiance qu'il m'a accordée, afin que je puisse encore apporter la parole ce matin ici. J'ai confiance que Dieu nous bénira ce matin. Merci, je suis un fils d'ici. J'ai été baptisé ici. J'ai fait mon école de dimanche ici au tabernacle Sion B. Aujourd'hui, je suis prédicateur devant vous. Je bénis le Seigneur pour cela. Que Dieu bénisse tous les ministres qui sont ici. Sans plus tarder, nous vous demandons de vous tenir debout. Je voulais que nous prenions dans 2 Rois chapitre 13, versets 20 jusqu'à 21. Des Rois chapitre 13, versets 20 à 21. Nous lisons. Élisée mourit et on l'enterra. L'année suivante, des troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterra un homme, voici on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme allait toucher les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Prions le Seigneur. Glorieux Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. C'est toi l'auteur de la parole. Je crois qu'il est dit que dans les derniers jours, ni n'enseignera l'autre, seul ton Saint-Esprit. Je crois que toute écriture est inspirée et utile pour être enseignée.
Dieu de William Branham, Zambia William Branham, écarte l'homme du chemin. Mungushakumuntumunjila. Je ne vais pas apparaître, Jena mungushakumweka mema. Mais je voulais que toi tu apparaisses. Mungushakumweka. Car je sais, Seigneur, mungushakumweka, que une parole qui sort de toi, ça peut changer quelqu'un ici. Dieu de William Branham, j'ai confiance à toi. Tu n'es plus un menteur, Seigneur. Tu es le Dieu de la vérité. Viens planer dans la salle. L'atmosphère est bonne. Nous voulons, Seigneur, que tu communiques un message pour qu'à la fin de cette réunion, que chacun de nous sorte ici, qu'il puisse dire réellement Dieu m'a parlé. En tout cas, Seigneur, dans cette réunion, je ne veux pas un Dieu historique. Je voulais un Dieu réel qui peut nous consoler, qui peut nous élever, qui peut nous bénir, qui peut terminer nos problèmes. J'ai confiance que tu le feras pour la gloire du Père. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Zambia nous bénisse. Je vais vous asseoir. J'aime le Seigneur. Je voulais compléter encore dans 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. Et là que je voulais aussi profiter pour donner mon sujet. 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. Verset 10. À 11. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. Nous sommes au verset 9. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours. Et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui deux fois. Que Dieu vous bénisse. Sur base de ces écritures, je voulais intituler mon sujet ce matin. C'est une phrase, ce sont des paroles de Frère Branham. Mais je l'ai prise comme sujet. La puissance cachée. La puissance cachée. Et cette puissance se trouve dans l'épouse. Amen. Amen. Avant cela, j'ai lu une écriture de base dans les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Il a prêché en 65 le 28 novembre au point de Frère Branham dit, pendant qu'on chantait, comme nous venons de chanter, pendant qu'on chantait, j'étais assis là-bas et j'ai parlé à mon vieux ami Frère Brom. Il a dit, Frère Branham, jusqu'à hier, je ne comprenais pas du tout ce dont vous parlez. Il a dit, si les gens pouvaient vraiment pénétrer
ce que vous dites a-t-il dit, chaque obstacle serait ôté du chemin. Frère Branham m'a dit, Frère Bram m'a dit, pendant qu'on chantait, si les gens peuvent pénétrer dans ce que vous dites, toi Branham, chaque obstacle, chaque barrière, chaque maladie, chaque problème sera ôté du chemin. Que quelqu'un dit un grand amen, je prêche. Alléluia. Si les gens peuvent pénétrer, comprendre et saisir, entrer dans la symphonie, chaque obstacle, chaque démon, chaque maladie, chaque problème sera ôté du chemin. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Gloire à notre Seigneur. Écoutez la réponse de Frère Branham. Ça c'est Frère Branham qui a dit à Frère Branham. Maintenant écoutez la réponse de Frère Branham. Frère Branham dit, c'est tout à fait vrai ce que Frère Bom a dit là, c'est la vérité. Et ce matin, je répète aussi, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Frère Madame dit, c'est vrai. Il dit, c'est tout à fait vrai. Si seulement, là c'est Frère Madame qui parle. Si seulement vous pouvez saisir cela. Si vous pouvez comprendre cela. Vous voyez. Amen. Amen. Chaque obstacle sera ôté du chemin. Mon problème ce matin, c'est que quelqu'un saisisse, qu'il pénètre dans la parole, que lui est la parole, qu'il devienne une seule chose. Et chaque obstacle sera ôté du chemin. Est-ce que les croyants du message sont là? Alléluia. Je donne encore une écriture de base. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il a prêché en 62. Supportez-moi, j'aime beaucoup lire les prophètes. Parce que ça, en répétant Frère Branham, que la colonne de fait qui servait ce message viendra confirmer sa parole. Et ça ne vient pas me confirmer moi. Ça vient confirmer le message. Est-ce que quelqu'un dit amen? Je vous aime. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Au point 14, Frère Branham dit, j'ai dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. La pression sondée le 30 juin. Frère Branham dit ceci. C'est un peu de conseils qu'il est en train encore de donner. Ça va nous servir avant qu'on démarre. Frère Branham dit ceci. Peut-être que vous pensez que les gens ne vous observent pas. Mais ils observent chaque geste. Chaque geste que vous faites, les gens vous observent. Tabena de Mujumai, le monde entier vous observe. C'est Frère Branham qui dit. Frère Branham dit, vous êtes une Bible pour beaucoup de gens.
Quand on lit frère Branham, on n'est qu'à dire amen à la parole. Frère Branham dit, vous êtes une Bible pour beaucoup de gens. C'est pourquoi il nous faut veiller à ce que nous faisons. Nos transactions et tout ce que nous faisons dans toute notre marche, il nous faut beaucoup veiller à cela. Parce que chacun de nous, c'est une Bible pour ses voisins. C'est une Bible pour beaucoup de gens. Je veux dire que Paul dit, vous êtes les épîtres écrites par les mains, que tout le monde peut lire. Et frère Branham dit, ne pensez pas que le monde ne vous observe pas. Le monde vous observe. Chaque geste que vous faites, parce que tu es une Bible pour beaucoup de gens. J'aime cela. Frère Branham dit, alors, abandonnez-vous simplement à l'esprit. Dieu se reflétera en vous. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, comme le cep, dans Saint Jean 15, Jésus a dit, je suis le cep et vous êtes le serment. Et bien maintenant, souvenez-vous, ce n'est pas le cep qui porte les fruits, c'est le serment qui porte le fruit. Mais c'est du cep que le serment tire sa vie. Est-ce que l'épouse peut dire amen? Maintenant, je voulais entrer dans la profondeur de ma prédication que nous avons tiré dans deux rois. Nous retournons encore là-dessus. Deux rois, chapitre 13, le verset 20. Suivez-moi. La Bible dit ceci. Élisée mourit. Et l'on enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Je voulais tirer votre attention ce matin pour que vous observiez une chose. À l'absence du prophète, il y a toujours les Moabites qui pénètrent dans les camps pour déranger le peuple. La Bible dit, Élisée mourit. Les troupes de Moabites, les ennemis des enfants d'Israël, pénétrèrent dans le pays. Amen. À l'absence du prophète, il y a toujours les ennemis. Il y a toujours les Moabites qui pénètrent dans le pays. Mais quand Élisée était dans les camps, Élisée était une protection pour Israël. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Un prophète dans un camp, c'est la consolation de l'épouse. Est-ce que vous croyez cela? Un prophète dans un camp. Remarquez dans la Bible, chaque fois que le peuple de Dieu sont sous un problème ou dans un malheur quelconque, quand il part à genoux pour invoquer Dieu, pour que Dieu leur donne la délivrance, Dieu, il descend souvent. Pardon? Dieu, il descend souvent sous forme d'un prophète.
pour amener la délivrance au peuple. Un prophète dans un camp, c'est la consolation du peuple. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maintenant remarquez quelque chose. La Bible dit, comme on l'a enterré un homme, voici, on a perçu une troupe, une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme allait toucher les os d'Élisée. Et il reprit vie. Et s'éleva sur pied. Amen. Amen. Donc quand on a pris le cadavre et on venait pour l'enterrer, et à un moment donné, regardez comment Dieu occasionne les choses. Pendant qu'on voulait enterrer le cadavre, les troupes des Moabites venaient pour tuer, attaquer le peuple qui avait le cadavre. Par peur, ils ont jeté le cadavre. Et regardez comment Dieu occasionne le miracle. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que le Dieu de Branham, il est capable d'occasionner votre miracle ce matin. Ces gens, ils ne s'attendaient pas. Ils avaient un bon esprit pour enterrer le cadavre. Mais par peur, ils ont jeté le cadavre. Regardez comment la puissance de Dieu. Dieu s'est saisi du cadavre. Et le cadavre commence à s'enrouler. Jusqu'à tomber au sépulcre d'Élisée. Et la Bible dit, en touchant les os d'Élisée, le cadavre reprit la vie. Oh, ceux qui détenaient le cadavre, ils avaient déjà dispersé. Mais le cadavre, sous la présence de la puissance cachée, la puissance cachée qui était dans les os d'Élisée, cette puissance est sortie. Frère Branham dit, c'est la puissance vivifiante de Dieu. Et ce soir, cette puissance habite dans chacun de nous. Est-ce que l'épouse peut dire amen? Alléluia. Alléluia. Ce qui étonne mon âme ce matin, si Élisée, sous le sang des bêtes et des boucs, ses os, amen. Contenait la puissance cachée à tel point pour ressusciter même un cadavre. Je crois que ce matin, nous sous le sang de Jésus-Christ, la puissance cachée descendra dans cet auditoire et fera des grandes choses. Est-ce que quelqu'un dit amen? Écoutez ce que Frère Branham dit dans le prophète Michée. Mon prophète Mika. Frère Branham a prêché en 61. Au point 51. Il dit ceci. Les jets des ballons. C'est Frère Branham qui passe. Il dit les jets des ballons. S'amuser et tout. C'est très bien. Mais cela n'appartient pas à l'église.
Dans l'église, nous voulons Christ. Tu dis pas soit mon Christ. Je commence à monter avec vous. Dans l'église, nous voulons Christ. Dans l'église, amen. Nous voulons Christ. Pas une forme de Christ. Ni une image de Christ. Ni un Christ mort. Ni une tombe de Christ. Mais dans l'église, nous voulons un Christ ressuscité. Que quelqu'un dit un grand amen. Frère Branham dit, ce matin, nous n'avons pas besoin d'une forme de Christ. Nous n'avons pas besoin d'une tombe de Christ. On n'a pas besoin d'un Christ fabriqué. Mais on a besoin d'un Christ ressuscité. Oh, alléluia! 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 Alléluia. Dans Bernard et Mbujima, Frère Branham m'a enseigné que la divinité n'est pas au ciel. La divinité est sur la terre. Dans tes fils et dans tes filles de Dieu. C'est pourquoi ce matin, on n'a pas besoin d'une tombe de Christ. On a besoin de Christ ressuscité. Amen. Pas d'une tombe de Christ. Un Dieu vivant. Un Dieu réel, un Dieu palpable. Oh merci Seigneur. Un Dieu qui peut bouger. Un Dieu qui peut marcher. Un Dieu qui peut parler. Un Dieu qui peut confirmer sa parole. Ce matin, on n'a pas besoin d'un Dieu imaginaire. Ce matin, on n'a pas besoin d'un Dieu historique. Ce matin, on a besoin d'un Dieu qui respire. Un Dieu qui bouge. Un Dieu qu'on peut toucher. Un Dieu qu'on peut palper. Je peux monter encore. Ce matin, on a besoin de Dieu qu'on peut poser la question. Et il répond. Alléluia. 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 Amen. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Branham dit, pas une forme de Christ. Pas une tombe de Christ. Parce qu'il n'est pas encore dans la tombe. Il n'est pas dans la tombe. Il n'est pas la croix. Il est ici. Le plus grand que Salomon. Le mari capable. L'Elohim le fort. L'Elohim le grand. Le Dieu à la poitrine bombée. L'arc-en-ciel à cette couleur. Le Dieu de William Branham. Il est ici. Dans cet auditoire. C'est quoi? Amen. On a besoin d'un Dieu qui est ressuscité. Ça va chauffer. Je crois. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham. Nous voulons un Christ ressuscité. Suivez, peuple de Dieu. Un Christ, Christ qui est vivant parmi nous. Christ, vivant parmi nous.
Christ. Christ se confirme comme étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce dont l'Église a besoin. C'est ce que les gens doivent chercher. Je n'ai pas encore avancé. Branham dit, cela dépend de leur appétit. Alléluia. Donc, le problème ce matin, ça dépend de ton appétit. Quand la profondeur appelle la profondeur, si tu as la soif de l'eau, il y a une eau quelque part qui peut entasser votre soif. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas mettre la soif de quelque chose en toi si cette chose là n'existe pas. Car la profondeur appelle toujours la profondeur. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Oh my. Alléluia. Alléluia. Oh my. Oh my. Merci. Merci. Je parle sur la puissance cachée dans l'homme. Est-ce qu'on peut avancer encore? Dans les sons confis. Les sons confis. Il a prêché en 55. Au point 126. Frère Branham dit, c'est là que la chose réside. La chose réside là-bas. C'est là que la chose réside. Les chrétiens ne ripostent pas. Les chrétiens ne se disputent pas. Les chrétiens restent tranquilles. Donnez-moi un amen suivant. Frère Branham dit, et quand tu restes tranquille, cette puissance cachée, la bénédiction du Saint-Esprit se met à l'œuvre à ta faveur. Branham dit, la puissance cachée, c'est la bénédiction du Saint-Esprit. Quand on te combat, toi tu restes calme. C'est cette bénédiction qui demeure en toi, qui combattra pour toi. C'est pourquoi ce n'est pas votre bataille. C'est votre bénédiction. Votre bénédiction combattra pour toi. La puissance cachée, c'est la bénédiction du Saint-Esprit. Amen. Ça parlera en votre faveur. Oh my. Suivez. Pour bien comprendre cela, le prophète maintenant entre en profondeur. Toujours dans la même prédication. Au point 127. David avait cela. David, ah, il avait quoi? Il avait la puissance cachée. David. Frère Branham dit, il avait cela. Quand Frère Branham dit, nous disons qu'amen. On n'explique pas Frère Branham. Ce qui amène beaucoup des histoires aujourd'hui, c'est en voulant expliquer Frère Branham. Répétez-nous ce que Branham a dit. C'est ce qui donne la vie. Frère Branham dit,
David avait cela. David, il avait cette puissance cachée. Mon prophète dit, lorsqu'il a dansé devant l'arche de l'Éternel, il avait cela. Il savait de quoi il parlait. Vous voyez, c'est pour cette raison qu'il n'avait pas peur de Goliath. Pourquoi? Il avait une puissance cachée. On va être un peu dans la profondeur. Écoutez. Frère Branham dit. Oh, là, les dénominations ne peuvent pas nous expliquer ça. Là, nous les laissons 1 million de kilomètres. Frère Branham dit. Ce n'était pas la peur que David avait placée dans la fronde qui tua Goliath. Nous voulons David. Les dénominations, il nous parle de la pierre. Frère Branham, amen. Amen. Il dit, ce n'était pas la pierre. Moi, j'ai dit un grand amen à ça. Si vous voulez comprendre la Bible, cultiver avec la jeunesse de Samson. Samson, en voulant se marier, il a donné une énigme à sa belle famille. Et personne n'a donné l'interprétation à cette énigme-là. Personne. La Bible précise, premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, silence. Au septième jour, la femme de Samson est allée parler à Samson. Ne me fais pas la honte. Souffle-moi. Quelle est l'explication de ton énigme? Et Samson lui a donné cela. La Bible dit au septième jour, ils sont eu la réponse aux énigmes de Samson. Et quand Samson écoutait ça, il les a dit, je sais pourquoi vous avez eu l'explication. Parce que vous avez labouré avec ma jeunesse. Vous ne comprendrez jamais cette Bible si vous ne labourez pas avec William Branham. Les témoins de Jéhovah sont entrés là. Ils sont sortis avec des mallettes. La même Bible. Trinité. Les catholiques sont entrés. Je vous salue Marie. Mais quand frère Branham entre, il dit les Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est le Jésus du Nouveau Testament. Que quelqu'un donne un grand amen. Labourer avec frère Branham. Prêcher avec frère Branham. Ishaï, nous voilà tous Branham. J'aime quand je prêche la parole comme ça. Même Mounana, Andy dit ceci dans un mouchin. C'est bien. Frère Branham dit, voilà tous Branham. Ce n'était pas la pierre que David avait placée dans le front qui tua Goliath. Qui dit quoi dire là David dit, Mundundu endo anyone dit vous dites chapeau Goliath. Ce n'était pas la fronde qu'il tenait en main. Tu vois Goliath. Ce n'était pas le pierre qu'il avait dans son sac qui tuait Goliath. Frère Branham dit, c'était la puissance cachée. Cette bénédiction de Dieu.
Frère Branham dit, écoutez, lorsque David a lâché, quand il a lâché la pierre, Dieu a pris cela. Dieu, oui, s'est en chargé de la pierre. David lui a lancé. Dieu a récupéré la pierre. Ce soir, Dieu doit récupérer ta parole. On peut créer. Frère Branham dit, on peut créer un nouveau monde et aller vivre là-bas. Qui peut dire alléluia? C'est matin. Le Dieu de Branham doit récupérer nos pierres. C'est matin. La puissance cachée doit sortir en toi. Ça doit combattre pour toi. Quand ton Goliath vient, que Goliath n'oublie pas, qu'il n'oublie pas qu'en toi il y a une puissance, une puissance cachée. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu peux dire alléluia? C'est matin que le diable veut ou pas, que Goliath veut ou pas, Dieu doit récupérer la situation. C'est matin, toi tu es limité. Mais il y a un Dieu illimité. C'est le Dieu de William Branham. Il dit, il est le Dieu incontournable. La Bible dit, c'est un Dieu terrible. Dans l'assemblée de saints, ce soir, nous sommes l'assemblée de saints. Le Dieu de Branham, c'est un Dieu terrible, un Dieu formidable. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Il est obligé, moi, de récupérer la pierre. Dis-moi, ce soir, ne t'en fais pas de ton Goliath. Il y a quelqu'un qui est là, l'auditeur silencieux, l'autre invisible. Amen. Le Dieu de la colonne te fait. Merci Seigneur. Quand la maladie te tourmente, lui il est là tranquille. Quand la maladie commence à s'aggraver, il récupère la situation. Et je voulais dire à quelqu'un, notre Dieu, il est spécialiste. Il est spécialiste dans des situations difficiles. Je voulais dire, écoutez-moi, c'est dans des terrains compliqués. C'est dans des terrains compliqués que lui aime jouer le football. Dans des terrains difficiles, dans des cas impossibles, la Bible dit, Lazare était déjà pourri. Je voulais dire à quelqu'un, même si ta situation est pourrie, Jésus-Christ, il est la résurrection et la vie. Alléluia. 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 Oh my. Il y a une puissance formidable. Dans ce lieu, un paralytique peut marcher. Un aveugle peut voir. Oh my, 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 my. Le Dieu de Branham peut créer l'argent. Le Dieu de Branham
Père, récupère tout ce qui est pourri. Dieu peut les récupérer. Frère Branham dit, Dieu est capable de changer les chaos en jardin de terre. Alléluia. 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 Le Dieu de Branham est capable de changer le chaos en jardin de terre. Il y a dans ce message la puissance de la création. Partout tu m'écoutes, le Dieu de Branham est ici pour changer toutes choses. Il doit récupérer la pierre. Que quelqu'un dise, Seigneur, récupère ma pierre. Seigneur, récupère ma pierre. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Seigneur, récupère ma pierre. Pas un Dieu mort, un Dieu vivant, un Dieu palpable, un Dieu qu'on peut sentir. Amen. 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 Un Dieu qu'on peut se réchauffer. La puissance cachée. Frère Branham dit, c'est la toute première fois de voir dans un combat l'adversaire et l'adversaire avance. Quand Goliath avance, Branham dit, David était en train de danser. David, il dansait. Ce soir, danse devant ton ennemi. Danse devant lui. Danse devant ton Goliath. En toi là, il y a une puissance. Une puissance cachée. Goliath ne fera rien. Ce soir, danse devant Goliath. Danse. Avance. En train de danser. Alléluia. 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 Quand David avance. Amen. 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 Goliath te dit. Goliath, aujourd'hui, Lelo, je vais te broyer. David dit. David, toi tu viens devant moi au nom de tes dieux, mais moi j'avance au nom du Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'épouse. Le Dieu de l'épouse, c'est le Dieu de Branham. Alléluia. Alléluia. Quand David, quand il prend la pierre, David, quand il lance, Branham dit, la puissance cachée sort, récupère la pierre.
Est-ce qu'on peut encore envoyer 128 frères Branham dit, toujours même prédication. Il dit, les enfants d'Israël avaient cela. Car, donc ce matin, si nous nous la manquons, ce n'est pas possible. Si les enfants hébreux, sous le sang des boucs, des bêtes, ayant la puissance cachée, qu'en est-il d'un frère et une sœur, sous le précieux sang? La parole faite chère, le message de l'air, le fil cramoisi. Alléluia! 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 Frère Branham dit, les enfants hébreux, ils avaient du courage. Ils ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Mais nous nous inclinerons jamais. Écoutez, frère Banam, il n'y avait aucune incertitude là-dessus. Il dit, les enfants hébreux ont dit, nous ne nous prosternons pas devant vos dieux. Nous n'adorons pas vos vieilles religions formalistes. Dieu est capable de nous délivrer. Je vais retirer votre attention. Le roi leur avait dit, si vous n'adorez pas la statue, je vous jetterai dans la fournaise et je verrai quel Dieu qui vous délivrera de ma main. Le roi pensait que sa main était forte. Oh, il y a une main invisible derrière la main visible. C'était une question difficile. Je verrai quel Dieu qui vous délivrera de ma main. Mais quand ils sont entrés, écoutez, frère Branham. Frère Branham dit, vous savez ce qui est arrivé lorsqu'ils ont pris Dieu au mot. Ils sont entrés dans la fournaise. Cette puissance cachée est sortie. La puissance cachée sort, se déploie au moment des dangers. Chaque fois qu'il y a un danger, n'oublie pas, il y a une puissance cachée qui sortira. Frère Branham dit, cette colonne de feu s'interpose entre vous et le danger, entre l'ange de la mort et toi. Ça s'interpose. Alléluia! 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 La puissance cachée est sorte. Et vous savez, quand on les jetait, frère Branham dit, je peux voir au ciel. Quand frère Branham dit, je peux voir, il voit. Et il dit ça dans l'enseignement sur Moïse.
Je peux voir au ciel. Au moment où on jetait les enfants hébreux, Dieu aussi a convoqué une réunion d'urgence. Frère Branham dit, chaque fois que le diable fait une réunion pour vous, au ciel, Dieu aussi fait une réunion. Si tu t'amènes, la réunion commence ce soir. Alléluia. Amen. Branham dit, Dieu appelle Michaël. Il dit, Michaël, viens. Gabriel, viens. Boudroum, viens. Absinthe, viens. Sur la terre, il y a mes enfants qui ont pris position pour moi. Qu'est-ce que vous dites? Toi, Michaël, descends-t-elle pas? Toi, descends-t-elle pas? Michaël pose la question à Dieu. Mais toi, tu seras où? Il dit, je serai au centre en train de contrôler la situation. Il doit récupérer la situation. Et pendant qu'on jetait, le roi a remarqué la quatrième personne qui était semblable au Fils de l'homme. C'est là où il y a le Fils de l'homme qui a le ministère de la délivrance. Le chiffre 4. C'est la quatrième personne qui est descendue. Et le roi dit, alléluia, alléluia, à partir d'aujourd'hui, le seul Dieu qu'il faut adorer, c'est le Dieu de ses hommes. Mais toi, tu avais dit, je verrai quel Dieu. Et ce soir, tu le verras. Ce matin, tu le verras. Alléluia. Alléluia. Frère Branham a dit quelque chose ici dans la religion de Jézabel. Au point 7. Frère Branham dit, voyez, il a employé la parole de Dieu. Il a vaincu le diable sur son propre terrain. Dans son propre terrain. Et Dieu a vaincu le diable. Ce qui m'étonne, Branham dit, vous pouvez aussi le faire. Frère Branham dit, vous pouvez faire la même chose. Vaincre le diable sur son terrain. Ce soir, ce matin, même dans son propre terrain, tu as droit de le vaincre. Tu as droit de le vaincre dans son propre terrain. Satan, Satan, je vais te vaincre même dans ton terrain. Je vais te vaincre. Quand on prend ça au mot, l'impossible devient réel. Et Frère Branham dit, l'impossible devient des petites choses. Et facile à retrouver. Saül prend la lance, Saül animé par un mauvais esprit. Il avance. Mais il trouve David
environné par la puissance cachée, en train de chanter. Peut-être peut-être l'Éternel est mon berger. Pendant qu'il chantait, la Bible dit, il bougeait la tête. Il bougeait. Derrière, Saül venait avec une épée pour couper sa tête. Mais Dieu a occasionner les mouvements. Ne t'en fais pas de ce que les sorciers disent. Ne t'en fais pas de ce que Saül dit. Toi, danse. Bouge la tête. Loue le Seigneur. Même dans les moments difficiles, loue le Seigneur. Même dans les situations compliquées, loue le Seigneur. Lui-même s'en chargera de la chose. Alléluia. Et Dieu fait que l'épée échappe à David. Je voulais dire à quelqu'un dans cette salle, l'épée de Saül ne t'atteindra jamais. Si tu t'amènes fort, ça va t'échapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Toujours dans la même prédication, les sons confis. 136. Frère, on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Il n'y avait aucune incertitude. Il s'est tenu là. Il avait la puissance cachée. Daniel. Cette puissance, ce n'était pas une pâte de lapin dans sa poche. Ce n'était pas une pâte de lapin dans sa poche. Ni une amulette au porté au cou. Daniel est entré dans la fosse sans aucune incertitude. Dieu est capable de me délivrer de ce lion. Mais les gens l'avaient jeté dans la fournaise. C'est vraiment qui parle. Il dit, je crois que lorsque ces lions se sont approchés là pour les regarder, quand le lion s'est approché de Daniel, un halo de feu s'est tenu là. Écoutez, et a entouré Daniel. Tout animal craint le feu. Tout animal a peur du feu. Frère Manam dit, il dit ceci. Vous savez cela? Ces lions ont reculé. Qu'est-ce? La puissance qui était cachée dans le cœur de Daniel est sorti et l'a enveloppé entièrement. C'était cette puissance cachée, cette bénédiction de Dieu
qui est sorti sur la vie de ces prophètes-là, et cela l'a environné d'une flamme de feu. Amen. Frère, dit, quand Daniel était dans la force, la puissance cachée est sortie. A intercalé les lions. Frère, ajoute encore. Là, il parle des gens, les révélateurs. Jean dans l'île de Patmos. Au point 151, il dit ceci. Toujours dans les sons qu'on fit, il dit. Jean le révélateur. Yona. Sa voix avait un son certain. Il aimait le Seigneur. Il s'est posé sur son sein. Il communiait avec Jésus. Il a vécu presque 100 ans. Il avait accompli des miracles et des prodiges. Il avait vu tes visions. Maintenant écoutez. Lorsqu'ils ont dit c'est un sorcier, oh alors, on l'a emporté. On l'a fait bouillir. Pendant 24 heures, dans un tonneau d'huile, on a pris Jean, on l'a jeté dans le fil d'huile, on a encerclé les capuchons. On a bloqué les filles. Frère Branham dit, on l'a bouillonné pendant 24 heures. Écoutez, Frère Branham. Frère Branham dit, après 24 heures, lorsqu'on a ouvert les filles, ça est sorti. La bénédiction était sur Jean. Ce soir, ta puissance cachée, ta bénédiction te défendra. Ta bénédiction te défendra partout. 24 heures dans les cieux. Bouillonné 24 heures. On ouvre les couverts. J'en sors. Si ce Dieu-là est réel, ce matin, peu importe là où on t'a mis, même si on te bouillonne comme moi, soyez libérés. Que la puissance cachée te libère là où tu es. Est-ce que tu peux dire alléluia? Est-ce que tu peux dire gloire? Alléluia. Frère Branham dit, quand on ouvre les couverts, ceux qui ont mis Jean, ils ont crié. C'est un sorcier. Frère Branham dit, dans la foi parfaite, Frère Branham dit, un homme qui a le Saint-Esprit, c'est un mystique. Et Frère Branham ajoute, être mystique, c'est la matière de l'épouse. Est-ce que tu as maintenant des mouvements et peux dire un grand amen? Alléluia. Pendant 24 heures, on a bouillonné Jean. On a chauffé l'huile. On a mis les couvercles. Une nuit, le matin, ils arrivent. Ils ouvrent. L'homme sort. Branham dit, c'était la
puissance cachée qu'il a défendu. C'est même Dieu là. Je crois que dans cette réunion, en toi là, il y a une puissance cachée. Ça peut sortir. Ça peut guérir quelqu'un. Ça peut sortir. Ça peut combattre pour toi. Est-ce que tu peux dire amen? Regardez. Frère Branham donne un exemple. Il dit, regardez l'oiseau. Dans un oiseau, il y a une puissance. Cette puissance est cachée. Frère Branham dit, chaque fois qu'il y a un danger, l'oiseau, il fait confiance à ses ailes. Branham dit, il défie la loi de la pesanteur. Il dit, toi, loi de la pesanteur, tu n'auras aucun effet sur moi. J'ai une puissance cachée. Frère Branham dit, il suffit qu'il batte ses ailes, il part. Mais ce soir, vous avez aussi deux ailes. L'aile de la parole et l'aile de la puissance. Est-ce que les aiglons peuvent être d'ici? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Confiez-vous dans la parole. N'importe quel danger, la puissance cachée sortira et te défendra. Est-ce que l'épouse dit amen? Est-ce que tu peux dire alléluia? Oh my my my. Maintenant suivez. Je suis en train de descendre à un moment donné, on va terminer. Frère Branham, on a parlé des gens, on a parlé de David et des autres. Même frère Branham, il avait cette puissance cachée. Frère Branham, un jour, il entre dans une réunion comme celle-ci. Je vais l'excellent. Il dit, je n'ai pas fait 5 minutes. Je me suis tenu seulement là. Toute personne qui était faible a reçu la force. Ça, c'est l'édition spéciale. Ce sont les réalités d'aujourd'hui. C'est ce qui donne la foi de l'enlèvement. Ça, aucun obstacle ne peut se tenir devant nous ce matin. Écoutez, frère Branham, dans appeler Jésus sur la scène. Alléluia! Alléluia. Appelez Jésus sur la scène. Prêchez en 64. La prêchez au mois de mars. Le 19. Au point 15. Frère Branham dit, je me rappelle un soir Vandalia. Dans l'Illinois, je suis allé à la réunion. Je n'ai pas fait plus de 5 minutes dans la réunion. Il n'y a, plus une personne faible sur les liens. Est-ce que l'épouse peut dire amen à ça?
Ce soir, le même Dieu de Branham est dans cette salle. Si tu es faible, pendant qu'il est ici, il te donne la force. Écoutez-moi. Amen. Amen. Dans Paul le prisonnier de Christ, frère Branham dit, alléluia. Alléluia. Un jour, pendant qu'on écoutait la bande, quelque part, pendant qu'on écoutait la bande, la colonne de feu est descendue sur la cassette pour confirmer le message qui était joué dans la radio. Pendant que je prêche, la même colonne de feu, la même colonne de feu, et ici dans cette salle, ça peut déraciner la maladie, ça peut changer l'homme, ça peut délivrer quelqu'un, ça peut enlever la mort aussi. Une sœur, pendant qu'elle était à l'hôpital, les médecins ont déclaré mort. Il n'y aura pas la guérison. La sœur avait la photo de l'ange. Frère Branham dit, elle a regardé sur la photo. La colonne de feu est sortie sur la photo. C'est projeté sur la sœur. Et la sœur est sortie sur l'hôpital. Amen. Pendant que je parle, cette même colonne de feu, ça quitte la photo. Ça sort dans les brochures. Ça marche dans ce lien. Reçois ton guérison. Reçois ton guérison. Même si tu es lié comment, au nom de Jésus-Christ, que les liens te quittent ce soir. Il n'y a aucune puissance qui peut empêcher le Dieu de Branham d'agir dans ce lien. Au nom de Jésus, que la puissance se cache. Vous ne savez pas ce qui est ici. Alléluia. Alléluia. L'ange du Seigneur est en train de planer dans l'auditoire. Amen. Il marche. Il marche. Il marche. Là où tu es faible, il te donne la force. Là où tu as un manquement, il te donne la chance. Dans cet âge, même les membres manquants peuvent pousser. Même les membres manquants, même quelqu'un qui manque une partie de son corps, il y a la puissance de l'infaillibilité. Les membres manquants peuvent pousser. Si tu dis amen maintenant, il y a quelque chose qui t'arrive dans ce sens. Mais oui, Dieu a dit amen comme nous. John Charit t'a dit aussi amen. John Charit t'a dit amen. Docteur Sam t'a dit amen. Docteur Sam t'a dit amen. Le même Dieu est là. Il est aussi notre Dieu ici. Nous voulons le voir. Papa, frère Branham, dans
dans une réunion, pas 5 minutes, toute personne faible, fort, je peux agiter. Il dit, les fauteuils roulants ont été poussés dehors. On les a empilés. Les aveugles ont vu. Le sourd et les muets ont parlé. Simplement juste ma présence. La puissance cachée est sortie dans les prophètes. Ça guérit toute l'auditoire. Oh, ce matin, j'ai reçu un prophète qui a le pouvoir de l'infaillibilité. Et je crois de tout mon cœur sous ce ministère, la même puissance cachée sorti dans chacun de nous et ça peut changer l'histoire de la vie de quelqu'un. Frère Namati, Dieu, il a guéri tous les groupes. Frère Branham n'a pas même ouvert la bouche. Il n'a pas même prié. L'écriture dit, il s'est tenu là. Il est en train. Juste la présence. Quelqu'un le regarde. Il est guéri. Est-ce que vous croyez l'écriture? Est-ce que vous croyez la parole? Comment vous croyez ça? Comment vous croyez ça? Laissez-moi vous bénir maintenant. Dans Dieu, change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Prêchez en ce sens saint. Au mois d'avril, le 18, au point 200, suivez-moi très bien. Je commence un peu à terrir. Vous êtes avec moi? Frère Banam dit, c'est vraiment ma prière jusqu'à nous revoir. Vous êtes amen là-bas? Est-ce que vous croyez ça? Frère Banam dit, que Dieu vous bénisse. Soyez dans la position de dire amen. Fais madame dit que Dieu vous bénisse. Il dit, maintenant, je vais demander à notre précieux frère Neville de congédier cette belle assemblée. Dieu vous aime tous. Frère Branham dit, je suis si reconnaissant d'avoir des gens comme vous tous. Est-ce que les croyants du message sont ici? Alléluia. Vous êtes amen là-bas? Je suis si reconnaissant d'avoir des gens comme vous tous. Écoutez, que serait mon message si je n'avais personne pour y croire? Vous que serait mon message si je n'avais personne pour y croire? Frère Branham, ces gens-là sont ici.
Soyez bien assis, hein. Je lâche quelque chose. Mais c'est le critique. Que serait mon message si je n'avais personne pour y croire? Il y a ici des gens. Vous donnerez votre vie pour cela. Il y a des gens ici qui ont la possibilité de donner même leur vie pour ces messages. Oui, t'abouche loufou. Il brave la mort. Il y a des gens qui peuvent braver la mort. S'ils sont là, qu'ils lèvent la main. Il y a la main de la chance à mourir. Il y a des gens ici. Ils t'abouche pionce. Ils acceptent tout. Pour ces messages. Oui, t'abouche boupendou. Oui, t'as bougé pionce. Oui, t'as bougé loutatou. Oui, t'as bougé makena. Oui, t'as bougé pionce. Ils acceptent des souffrances. Que Dieu vous bénisse ce soir. Sandy, à nous bénisse. Dis-le-lui. Vous savez, quand on prêche de telles choses, même Dieu est debout. Il est debout en train de surveiller sa parole. Parce qu'il est le premier croyant de sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez là. Il donnerait votre vie pour cela. Que Dieu vous aide tous. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Écoutez quelque chose. Frère Branham dit, mes prières sont avec vous. Je répète l'écriture. Écoutez, frère Branham. Mes prières sont avec vous. Suivez. Que mes bénédictions accompagnent chacun de vous. Alléluia. Amen. Que mes bénédictions. Les bénédictions de Branham. Les bénédictions de Malachika. Que ça accompagne. Chacun de vous, ce qui Dieu en amène fort, qui récupère cela. Mes prières, qui est ce sorcier qui peut vous m'ajouter moi? Mouloshikai. Quel est ce sorcier qui peut venir m'envoûter? Branham dit ceci. Quand vous avez donné tout ce message ici, mes prières sont avec vous. Alléluia. 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 Ma bénédiction. Ma bénédiction. Ma bénédiction. Ma bénédiction. Adjambi de Hem. Les accompagne. Moutin de Jalel. Je m'attends ici. Non, je suis le chicaï, mon coulon. Même si les sorciers ont des cornes. Tu conjugues à Moutin. Colonne de feu. Tu dis que tu es un bouchon, mon laouaou. Par le verset de malédiction. Oh, alléluia. 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 Seigneur, Colin. L'homme qui parle ici, Dieu lui a dit, aucun démon ne résistera à la prière faite. Mais ce soir, il dit, comme vous aimez ce message et que vous êtes prêt à donner votre vie pour ce message, toutes mes prières, Boubouni,
Mes prières. Comprenez que ce sont mes prières. Combien est beau ce message. Message est riche. Mes prières, ma bénédiction, même dans le diamant. Quand les sorciers jouaient fatigué en priant. Christ est le bon Dieu de Branham. Alléluia. Alléluia. Il y a une puissance terrible dans cette salle. Même si je suis fatigué en priant. Même si le diable m'a terrassé. Quand j'arrive dans cette église, j'entends cette prédication. On me dit que Branham a dit, mais je vais tressaillir un peu à moi. L'onction rentre sur moi. Je te dis maintenant. Maintenant même, il n'y a aucune force. Même familiale. Il n'y a rien de puissance qui peut arrêter. La bénédiction qui est dédiée. Ici où nous sommes. Nous avons toute la puissance. Elle pouvoir nourrir tout Bujumaï. Vous qui êtes là. Vous ici. Vous avez la puissance. Nous et l'autorité. De nourrir. Pour les Kasaï orientales. C'est possible. Alléluia. 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 Je commence à terminer. Mais serait un peu pour sentir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez. Dans Job, serviteur du Seigneur. Un homme pose la question à Frère Branham. Pourquoi quand tu prêches, les gens font beaucoup de cris? Frère Branham lui dit, si tu ne fais pas les cris ici, au ciel tu seras surpris. J'ai donné les critiques. Job, serviteur du Seigneur. Il a prêché en 55. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lisez la partie là où il parle du droit d'aînesse. Descendez là. Et là-dedans, il dit ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous aime brutalement. Alléluia. Frère Branham dit que mes bénédictions accompagnent chacun de vous. Frère Branham dit, n'oubliez pas que vous faites partie de cette résurrection. Que quelqu'un dit Alléluia. Que quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, la puissance
puissance vivifiante. Pourquoi maintenant en vous. Amen. C'est entièrement réglé. Votre bénédiction est réglée. Écoutez maintenant. Dans l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée. Est-ce que vous êtes là? L'aveugle Bartimée. Prêchez en 55. Au mois d'août le 18. Au point 43. J'avance, je suis en train de terminer. Maintenant, je vais prier pour vous. Et je vais demander à Dieu, alors que je suis si faible, que je peux à peine rester debout ici, quelqu'un me soutient. Ma force est épuisée. Votre foi l'a soutiré. Répète encore. Votre foi l'a soutiré. Moi je répète seulement le message. Votre foi dit bouge la soutiré. Et comment votre foi la soutiré? Beaucoup de gens sont guéris maintenant même. Amen. Que quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, vous vous rendrez compte, même après mon départ, vous vous mettez à dire aux gens que vos maladies sont parties. Après mon départ, allez dire aux gens que ma maladie est partie. Si tu dis amen, c'est parti. Amen. Reçois la guérison. N'oubliez pas, une maladie, c'est un démon. Allez dire aux gens que le démon est parti. Si c'est la pauvreté, c'est parti. Si c'est la sécheresse, c'est parti. Si c'est la mort subite, c'est parti. Mais ta foi l'a récupéré. La foi de quelqu'un l'a récupéré. Récupère la chose. Un prophète comme Moïse, au prophète Moussa, avant dernière écriture, au point 7, nous sommes là encore. Et nous attendons la grâce du Seigneur. Je sais que beaucoup ont déjà eu la visitation de Dieu maintenant. Je le crois de tout cœur. Frère Branham dit, au point 7, nous sommes là encore. Il a prêché en 59. Il dit, est-ce que vous êtes avec moi? Maï. Frère Branham dit ceci. Vous ici qui n'avez pas reçu le Saint-Esprit, après avoir été sauvé, ne quittez pas cette salle sans l'avoir reçu. Car la promesse est pour quiconque qui le laissera venir. Maintenant, bouge un peu là où tu es là. Merci. Très bien. Je vous aime, c'est bien. C'est notre église.
On ne peut pas manger la nourriture fâchée. On doit être en joie. Frère Branham dit, suivez, il dit ceci, toute personne qui est dans cette salle ce soir peut recevoir le Saint-Esprit. Toute personne, toute personne, alléluia, alléluia, toute personne, qui est dans cette salle, peut recevoir le Saint-Esprit. Écoutez, frère Branham, il n'y a aucune raison de ne pas le recevoir. Il n'y a aucune raison. Toute personne. Toute personne. Alléluia. Alléluia. Toute personne. Branham dit, il n'y a pas de raison de ne pas le recevoir. Maintenant. Maintenant. Le terrain est libre. Même un enfant d'Haïti White peut recevoir le Saint-Esprit. Toute personne. Alléluia. Il n'y a aucune raison de ne pas le recevoir. En effet, le Saint-Esprit, il est sur la terre depuis 2000 ans. Depuis les jours de la Pentecôte, il est ici ce soir pour baptiser chaque croyant. Frère Branham dit, maintenant, il n'y a pas de raison que quelqu'un quitte la salle malade ce soir. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que Dieu peut nous donner. Que Dieu peut nous donner de sortir dans cette salle malade. Il n'y a pas de raison. Amen, nous avons dit. Amen, on a dit. Alléluia, on a dit. On a écrit la parole. On a écrit le message. Où est le Dieu de Branham? Seigneur, quelle raison tu me donneras? J'ai tout arrangé. J'ai mis toi en ordre. Je crois la parole. Je crois des choses difficiles. Je crois l'impossible. Je crois même les paradoxes. Maintenant, il n'y a pas de raison que je sorte dans cette salle encore malade. Ce soir, je refuse ma maladie. J'abandonne ça ici. Je l'abandonne ici. Alléluia. 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 Frère Branham dit, écoutez, il n'y a pas de raison que quelqu'un quitte cette salle malade. Pourquoi? Parce que le grand médecin, Jésus-Christ, est ici. Le grand médecin, le grand médecin, est ici. Quand tu es là, how do you? Tu peux sentir une main te toucher. Et tu peux regarder. Tu ne vois personne.
Mais la puissance cachée peut aller dans chaque coin. Toucher chaque personne. Même les moyens de paix disparaître. Alléluia. Alléluia. Les grands puissants. Alléluia. Les grands maîtres saints. Et ici. Les grands maîtres saints. Les grands gynécologues. Les grands pédiatres. Les grands chirurgiens. Les grands chauffeurs. Elohim le fort. Il est dans cette salle. Il n'y a pas de raison que tu quittes ici malade. Il n'y a pas de raison que tu quittes ici sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi là où tu es, reçois le baptême du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Frère Branham dit, Frère Branham dit, écoutez, les gens, il n'y a point n'est besoin que quelqu'un sort ici avec les béquilles. Non. Vous savez, les béquilles c'est quoi? C'est l'incapacité de marcher seul. Ce soir, tu dois marcher seul. Dieu s'en chargera. Abandonne les béquilles. S'il y a quelqu'un qui se glorifie, que c'est à cause de lui que tu vis. Mais ce soir, Dieu est capable de créer, même dans les néants. Ce que tu amènes, la création du néant peut se faire dans l'auditoire. Alléluia. 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 Frère Branham dit, il n'y a pas besoin que quelqu'un sorte d'ici sur les béquilles. Que les béquilles soient poussées dehors. Que les fauteuils soient poussés dehors. Alléluia. Alléluia. Car le grand médecin est ici. Le prix a été payé. Frère Branham dit, tout est en ordre pour que quelque chose arrive maintenant. Tout est en ordre pour que quelque chose arrive maintenant. Frère Branham dit, si on déclare ce qu'il a promis comme il l'observe de l'accomplir. Mettez-vous debout. Imaginez-vous. Je lis la dernière écriture. Imaginez-vous. Même si vous avez un peu de temps. Pendant que vous êtes debout, il y a une puissance invisible qui peut déraciner la maladie. Il y a une puissance invisible qui peut déraciner les myomes. Il y a une puissance invisible qui peut lever les masques. Il y a une puissance invisible qui peut changer les circonstances de ta vie.
personne ne se voit dans cette salle. Le Dieu de Branham est dans la salle sur les champs. Un aveugle peut voir. Un sourd peut entendre. Tout peut se faire. Tout est en ordre. Il n'y a pas de raison que tu quittes cette salle encore liée, non. Le Dieu de Branham peut changer les circonstances. Le Dieu de Branham peut créer de nouveaux matrices. Il peut créer de nouveaux tombes. Oh, alléluia.
Tout-Puissant. Bukalenga, Jésus Christ, Zambia Bukola Bonso. Bénis cette semence de la parole dans nos cœurs, Seigneur. Élevez la foi de tes enfants, Seigneur. Pour que ces choses qui viennent être prononcées ici se réalisent, Père. Merci pour ton serviteur qui nous a parlé. Bénis son ministère, Seigneur. Bénis aussi son église. Bénis aussi ceux qui travaillent avec lui. Merci pour cette fidélité dans ta parole. Tu nous as dit dans ta parole ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous l'avez accompli. Accomplis ta parole pour chacun au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que chacun a été béni. Dieu t'a bougé de monter, 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 de mon